Arrêté provincial numéro 030, bar CAB, bar GOUV-TANG, bar CKM, bar 2024, du 9 décembre 2024, portant nomination des agents et personnels des carrières de la direction de la fonction publique provinciale du Tanganyika en sigle de FPP-TANG. Le gouverneur de province, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 204. Vu la loi organique numéro 08-016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Vu la loi organique numéro 16-001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et les fonctionnements de services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vu la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatif à la libre administration des provinces telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 13-008 du 22 janvier 2013 spécialement en ses articles 2, 28 et 29. Vu la loi organique numéro 16-001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et les fonctionnements des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vu l'ordonnance numéro 24-64 du 28 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Tanganyika. Vu l'édit numéro 010-007-2016 du 30 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement des services publics de la province et des entités territoriales décentralisées du Tanganyika. Vu la motion numéro 001-AP-TANG-SE-août 2024 du 19 août 2024 portant approbation du programme du gouvernement provincial et investiture des ministres provinciaux du Tanganyika. Vu l'arrêté provincial numéro 00D-CAB-GOUV-TANG-CKM-2024 du 5 septembre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Tanganyika. Vu l'arrêté provincial numéro 003-CAB-GOUV-TANG-CKM-2024 du 5 septembre 2024 portant fixation des attributions de ministres provinciaux. Vu l'arrêté provincial numéro 006-CAB-GOUV-TANG-CKM-2024 du 12 septembre 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la direction de la fonction publique provinciale du Tanganyika. Considérant la nécessité d'opérationnaliser les fonctionnements de la direction de la fonction publique provinciale du Tanganyika afin de gérer et d'administrer les personnels de la province de manière efficace. Sur proposition du ministre provincial en charge de la fonction publique provinciale, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus arrêtent article 1er. Sont nommés agents et cadres de la direction de la fonction publique provinciale du Tanganyika aux fonctions en regard de leur nom, le personne ci-après. Kamona Yumba Diedone, directeur provincial. Makelele Ibochwa Bonner, chef de division de la gestion et de l'administration du personnel. Ngoi Kitambala Kali, chef de division des procédures, relations professionnelles
et consultation juridique. Kasangana Moussakai Eric, chef des bureaux engagement et contrôle des effectifs. Michel Edungu Okoma Mik, chef des bureaux de la formation du personnel. Ophélie Sifa Witakenge, chef des bureaux de la qualification professionnelle et promotion. Ange Kitenge, chef des bureaux de services généraux. Moïse Hassani Kibundila, chef des bureaux des procédures et consultations juridiques. Béa Ngoï Jonas, chef des bureaux de relations interprofessionnelles. Majinda Wankoa Chancel, secrétaire de division. Kasenze Kizabi Aline, opérateur de saisie. Mwayuma Amisi Moza, huissier. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Les ministres en charge de la fonction publique provinciale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kalemi le 9 décembre 2024, honorable Kitungwa Mutiba Christian, gouverneur.